On se retrouve pour cette petite vidéo de cette boîte à outils Facom. Donc, je l'ai remplie tout à l'heure. Elle a un petit trou pour mettre un petit cadenas. Hop. Donc, on a plusieurs étages de chaque côté avec deux boîtes qu'on peut ouvrir sur le haut. Donc voilà, j'ai rangé pas mal d'outils à l'intérieur. C'est vrai qu'on a pas mal de place. Donc au début, on a la petite mousse qui est ici, qui est dessous en fait, qu'on voit ici, qu'il faut détacher de la partie en bas et qu'il faut coller, enfin qu'il faut juste déposer dans les différents compartiments. Moi, je trouve qu'elle est super bien parce qu'on a accès à tous les outils en très peu de temps. On peut bien sûr avoir un côté qui est fermé, un côté ouvert. Ça, on gagne un peu de place. Les poignées sont rabattables pour un gain de place et on peut la ranger un peu partout. Au niveau de la finition, ben c'est ma première boîte à outils Facom, donc je peux pas trop comparer par rapport à la boîte Stanley que j'avais avant. Je trouve que c'est mieux. Après, c'est pas les mêmes prix non plus, mais voilà. Ben j'espère que ça vous permettra de faire votre choix et puis voilà. Merci bien.